Alors justement, intéressons-nous à ce chantier qui a sans doute demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources humaines et qui en demandera encore notamment du côté des entreprises Eiffage. Alors on va commencer par une conférence qui va donc nous récapituler un petit peu toutes ces étapes-là et je vais proposer à différentes personnes de venir. Tout d'abord Laurence Lautier de l'INRAP. Raphaël Angevin, du service régional d'archéologie. Gabriel Roch, du service d'archéologie préventive du département de l'Allier. Ils vont donc nous expliquer un petit peu, donc nous résumer le temps d'une heure à peu près, donc ces différents travaux de fouilles qui ont été menés sur la RCA. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour votre accueil, les micros marchent, c'est parfait. On va pouvoir donc ouvrir cette conférence qu'on a intitulée 60 diagnostics chrono en croisant un peu les doigts et en se disant qu'elle ne devrait pas dépasser 60 minutes chrono. On va essayer tous les trois de tempérer notre enthousiasme pour vous parler effectivement de cette grande opération de diagnostic d'une ampleur inédite dans le département de l'Allier, une intervention dont on vous rappellera les chiffres, évidemment, au cours de cette conférence, mais qui dépasse largement tout ce qui avait pu être connu jusque-là depuis au moins une vingtaine d'années dans le département. 60 diagnostics chrono, 100 000 ans d'histoire sous le tracé de la 79, on verra effectivement que la diversité, la multiplicité de ces opérations a permis de remonter loin dans le temps, parfois avec la présence de l'homme, parfois sans la présence de l'homme aussi. Et c'est aussi un des enjeux, François Dumoulin l'a évoqué, de cette nouvelle archéologie préventive qui s'est déployée sur le tracé de la 79, c'est de restituer évidemment le contexte et les modes d'occupation d'un territoire par l'homme, mais aussi le paysage dans lequel ces occupations s'insèrent. Et on verra que les travaux des archéologues ont permis de ce point de vue-là d'apporter des données passionnantes et effectivement inédites pour cette connaissance. L'autoroute A79, vous la connaissez puisqu'elle reprend le tracé de la RCEA, effectivement la route Centre-Europe-Atlantique sur son tronçon médian, hein, puisque cette route effectivement traverse d'ouest en est ou d'est en ouest le pays, la France, et évidemment plus largement l'Europe de l'Ouest, avec un tronçon qui est effectivement central, qui de Montmarault jusqu'à Digoin traverse le département de l'Allier sur près de 90 km. Et effectivement, cette route Centre-Europe-Atlantique posait depuis longtemps des problèmes de sécurité et le choix a été fait ces dernières années de mettre en concession autoroutière cette route pour la sécuriser avec une mise aux normes autoroutières. Et on verra que c'est évidemment pas neutre pour les interventions archéologiques puisque souvent, quand les archéologues pensent à des interventions sur des contextes autoroutiers, on imagine des créations nouvelles de linéaires, parfois dans des forêts ou des champs qui jusque-là n'étaient pas investis par les routes. Dans ce contexte particulier de la 79, les archéologues sont intervenus autour, aux abords d'une route déjà existante, avec évidemment toute une série de contraintes interventionnelles sur lesquelles on reviendra bien évidemment. Un aménagement d'une ampleur inédite, j'ai choisi de présenter sur cette diapositive évidemment une diversité de ces aménagements qui prennent en écharpe la route Centre-Europe-Atlantique existante avec des nouvelles créations, des nouveaux aménagements. Vous voyez sur la diapositive en bas à gauche les créations de nouveaux bassins, les créations de nouveaux linéaires routiers, les aménagements d'échangeurs, de voies de décharge, avec évidemment cette contrainte que j'évoquais, c'est la photo de droite, d'une coactivité permanente entre le chantier d'aménagement et l'activité routière, puisqu'effectivement la RCEA a connu certes des fermetures, mais qui ont été les plus ponctuelles et les plus réduites possibles dans le contexte tel qu'il se présentait. Et évidemment, cette coactivité, Gabriel reviendra sur ce point, elle a concerné les entreprises de terrassement et qui ont été impliquées directement dans l'aménagement, mais aussi les archéologues, qui ont dû intervenir parfois en côtoyant de près la RCEA. Alors cette RCEA, je vous l'ai dit, elle traverse le département de l'Allier, elle s'inscrit dans un contexte qui est solidement documenté d'un point de vue archéologique par des décennies de recherches ou de découvertes fortuites depuis le 19e siècle au moins et pour certaines antérieures.
Je vous ai projeté sur cette diapositive un état des connaissances tel que nous, on peut le restituer à partir d'une base de données qu'on a constituée au service régional de l'archéologie. Base de données qui s'appelle Patriarche et qui a pour vocation de recenser tous les sites, tous les indices de sites archéologiques qui peuvent être présents sur le territoire de la désormais grande région Auvergne-Rhône-Alpes, avec évidemment ce qui est une gageure, hein, essayer de dresser un état le plus exhaustif possible de cette connaissance. Évidemment, cet état n'est jamais complet, il est amené à évoluer, des opérations comme la RCEA font évidemment changer nettement la donne, mais pour autant, ça permet d'avoir évidemment un état à jour assez précis des connaissances qui livre deux réalités, une densité d'occupation par l'homme, c'est ce qui est le plus évident pour nous quand on voit ces nuages de points, on voit des phénomènes de concentration qui nous semblent somme toute assez naturels dans les grandes vallées, celle de l'Allier, je vais essayer de pointer si je peux, évidemment que vous pouvez repérer, et puis la vallée de la Loire à l'est, où effectivement, de longue date, hein, l'occupation humaine s'est concentrée depuis la préhistoire jusqu'à la période actuelle. Évidemment, Moulins et Isère en étant de très bons exemples. Mais elle nous renvoie aussi à une autre réalité, qui est l'état des connaissances et l'état de la recherche archéologique sur ce territoire. Recherche archéologique qui s'est développée parfois de manière très différente sur une commune ou sur un territoire donné. On a dans notre base de données des communes qui sont très bien documentées, pour lesquelles on dispose de nombreuses références, et puis d'autres où il n'y a pas eu de chercheurs qui se sont investis, notamment des bénévoles pendant de nombreuses années, où la connaissance reste encore à établir. Ce qui ne veut pas dire évidemment que ces communes-là n'ont pas été occupées de longue date et que des vestiges archéologiques ne sont pas conservés sur leur territoire. C'est toute la difficulté et l'ambiguïté de cet état des connaissances qui effectivement peut être parfois trompeur pour nous tous. Il y a sans doute une réalité qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au-delà de ces nuages de points, l'ensemble de notre territoire est en réalité un vaste site archéologique. L'ensemble du territoire du département de l'Allier, évidemment plus largement de la France et de l'Europe, a été façonné par l'homme depuis le néolithique au moins, et tous nos paysages, tous nos grands cours d'eau ont été aménagés, exploités par l'homme. Et effectivement, cet état, ces nuages de points ne livrent que les parties émergées de l'iceberg, c'est-à-dire ce que l'on connaît de ce territoire, qui a été transformé par l'homme depuis très longtemps. J'ai choisi de vous présenter aussi cette cartographie. François évoquait tout à l'heure les premiers contacts qu'on avait eus avec l'aménageur au cours de l'été 2019. C'est la première cartographie qui a été produite par notre service et qui donnait un état des connaissances alors plus resserré que celui que je vous ai présenté avant et qui correspondait au site ou indice de site qui était repéré sur le tracé actuel de la RCEA ou à ses abords immédiats. Et on voit qu'effectivement, à l'emplacement de la route, il y avait déjà de nombreux sites qui étaient répertoriés. Certains très anciennement, c'est le cas notamment des tracés supposés des voies romaines qui recroisent en certains points la RCEA. Et puis on voit dans la partie orientale du département, dès qu'on va du côté de Dompierre-sur-Bèbre et jusqu'à la Loire, un nuage de points qui est beaucoup plus serré et qui correspond à une première série d'opérations qui a été réalisée il y a une vingtaine d'années lorsque la RCEA a été doublée, mise en deux fois deux voies par les services de l'État et lors de ces travaux d'aménagement préalablement. Des opérations d'archéologie préventive avaient déjà été réalisées, ce qui explique que dans ces secteurs, on avait une vision sans doute beaucoup plus fine qu'ailleurs de la densité des sites, des états de conservation et de ce qu'on pouvait attendre. On a eu parfois des choses qui étaient attendues, on a eu parfois des surprises aussi aux abords de ce tracé, et c'est aussi un des éléments intéressants des opérations qui ont été réalisées. Il y avait donc 68 entités archéologiques qui étaient recensées aux abords immédiats de la RCEA. On verra que ce nombre-là a triplé à la suite des opérations. Un rapide point, évidemment le sujet n'est pas là, on va parler de découvertes archéologiques, mais pour vous donner quelques repères sur l'organisation de l'archéologie préventive, puisque nous, les archéologues, mes collègues des opérateurs plus particulièrement, on a l'habitude d'intervenir en deux temps. Aujourd'hui, on va plus particulièrement vous parler des résultats des diagnostics, c'est cette première phase qui est réalisée dans un contexte d'archéologie préventive. Et comme son nom l'indique, et comme chez le médecin, un diagnostic qui vise à évaluer précisément ce qui peut être présent sur les terrains concernés, une évaluation du patrimoine archéologique qui vise à répondre à trois questions simples. Est-ce qu'on a des vestiges archéologiques sur les terrains? Dans quel état de conservation sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils nous disent de leur datation, de leur fonction, de leur statut? Voilà, c'est les trois grandes questions. On cherche à détecter, à caractériser et à évaluer la conservation archéologique. Et c'est évidemment une étape fondamentale,
puisque c'est elle qui permet d'aborder la seconde, qui est la fouille. Et cette fouille est une étude plus précise, plus exhaustive, plus étendue, qui vise, comme le dit le Code du patrimoine auquel on se réfère, à une conservation par l'étude. C'est-à-dire que ces sites archéologiques qui vont être détruits par les aménagements, on ne peut pas les conserver physiquement. Donc les archéologues ont pour mission de les conserver en réalisant une étude complète, avec évidemment, à l'issue de cette étude, un rapport qui rend compte de tous les résultats obtenus. Alors je déroulerai très rapidement la chaîne opérationnelle, mais pour montrer que dans le cadre de ce projet, on a été dans une concertation très étroite avec l'aménageur, et surtout dans une anticipation des procédures, puisque très tôt, le projet a été communiqué à notre service, qui a pu l'examiner, qui a pu prescrire les diagnostics, je reviendrai sur ce point. Ces diagnostics ont été confiés aux deux opérateurs de services publics qui vous ont été présentés plus tôt, donc le service départemental d'archéologie de l'Allier et l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui se sont dépêchés de réaliser des opérations sur le terrain et de rendre un rapport de diagnostic, rapport qui a été expertisé à la fois par notre service et par une commission de chercheurs extérieurs qui ont fourni un avis et qui nous ont dit, dans certains cas, en accord avec notre proposition, qu'il était nécessaire de réaliser des fouilles complémentaires, qui elles aussi ont été réalisées sur le terrain, qui se sont achevées la semaine dernière pour cette phase-là. Et on rentre évidemment dans une étape longue, celle de l'élaboration du rapport d'opération qui sera archivé chez nous, expertisé par notre commission, avant la remise des objets découverts et de l'ensemble des archives de fouilles. L'autoroute A79, j'y reviens, quelques chiffres clés. J'ai mis à gauche les chiffres qui concernent l'aménageur, à droite en vert ceux qui concernent plus spécifiquement l'archéologie. Je disais 88 km de tracé, 57 ouvrages d'art, 21 communes traversées sur l'ensemble du parcours, avec 12 échangeurs pour certains créés ou réaménagés. Une emprise globale de 809 hectares, mais je l'indiquais tout à l'heure, on intervient dans un contexte qui est déjà profondément transformé. Alors on a beaucoup discuté avec le maître d'ouvrage sur la surface réelle de ce qui avait été transformé à l'occasion de cette opération. On est parvenu à un chiffre d'environ 300 hectares d'aménagements nouveaux en plus de l'existant, qui correspondent notamment à des aires de repos, il y en aura 4, ou une aire de service importante à Toulon-sur-Allier. Sur ces 300 hectares, 227 ont été évalués dans le cadre des diagnostics sur 17 communes, au cours de 61 diagnostics effectivement réalisés, 68 ont été prescrits à l'origine, 7 ont été abandonnés parce que le projet initial de l'aménageur a été abandonné, donc les terrains ont été conservés en l'état, donc les diagnostics n'étaient plus nécessaires. Et à l'issue de ces diagnostics, on a eu une série de prescriptions qui ont été émises, 17 fouilles préventives, dont 15 ont été déjà réalisées, une reste à réaliser et l'autre a été abandonnée. Et puis 16 MCP, ce qu'on appelle dans notre jargon des MCP, ce sont des prescriptions techniques qui permettent non pas la conservation par l'étude des vestiges, mais leur conservation physique. Alors c'est parfois l'abandon de certains terrains pour qu'ils deviennent des réserves archéologiques, ou c'est parfois des solutions techniques qui peuvent être trouvées pour conserver les vestiges et pour que les travaux se déroulent sans destruction. Je reviendrai sur ce point par la suite. Voilà la répartition de ces diagnostics, vous les voyez, donc 68 diagnostics, en noir ceux qui ont été annulés, en bleu ceux qui ont été réalisés par le service d'archéologie préventive du département de l'Allier, et en rouge ceux qui ont été réalisés par l'INRAP, une répartition d'environ 2/3, 1/3, 2/3 pour le service départemental, 1/3 pour l'INRAP, 2/3, 1/3 en nombre d'opérations, 2/3, 1/3 aussi en surface évaluée et diagnostiquée, avec une répartition qu'on a souhaité scientifiquement et d'un point de vue opérationnel la plus cohérente possible, avec, pour dire les choses simplement, une partie ouest du tracé qui a été confiée au département et une partie est qui a été confiée à l'INRAP. L'INRAP qui était déjà intervenu il y a une vingtaine d'années sur le tracé de la RCEA, qui connaissait bien le secteur entre Dompierre-sur-Bèbre et Digoin, donc qui avait une vraie expertise de ce terrain-là et qui était évidemment légitime pour réaliser ces opérations. Avec un petit secteur dans le Val d'Allier où 4 opérations de diagnostic ont été réalisées par l'INRAP, puisqu'on était dans des secteurs à fort potentiel préhistorique et l'expertise pour les périodes anciennes de la préhistoire était à l'INRAP. Donc on a cherché dans cette répartition, en discussion avec les opérateurs, à la fois à rendre l'opération soutenable, mais aussi à ce qu'elle soit la plus cohérente scientifiquement pour chacun des intervenants. Un petit diagramme, je passerai rapidement, mais pour vous montrer l'état très morcelé des emprises qui ont été diagnostiquées, quand on pense intervention sur des linéaires du type autoroute ou ligne à grande vitesse, on imagine des dizaines, voire des centaines d'hectares diagnostiqués en continuité. Là, ça n'a pas été du tout le cas, c'est 68 diagnostics.
correspondent à des emprises très réduites, et sur les 61 réalisées, vous voyez que 39 correspondent à des emprises qui sont inférieures à 3 hectares, c'est-à-dire des petites surfaces dans nos évaluations classiques en archéologie, les grandes surfaces, notamment celles supérieures à 10 hectares, étant en réalité réduites. Il y en a eu 6 diagnostics en définitive. Et je vais passer la parole à Gabriel pour vous parler méthode d'intervention. Voilà, alors il nous a paru important, pour commencer, d'expliquer ce que c'est qu'un diagnostic concrètement, parce que je pense que la plupart d'entre vous ne font pas trop la différence entre un diagnostic et une fouille, et les méthodologies d'intervention sont quand même relativement différentes, même si on retrouve un certain nombre de points communs. Donc évidemment, la première phase qui est bien connue, c'est la phase de terrain. On reçoit, c'est le petit plan que vous avez en haut à gauche, une prescription du SRA qui va nous délimiter l'emprise sur laquelle on doit intervenir. Donc cette emprise, elle est évidemment en corrélation avec le projet d'aménagement. Et donc nous, on arrive sur le terrain avec des pelles mécaniques, donc en général qui font entre 11 et 25 tonnes, et on va réaliser des grandes tranchées linéaires, comme vous pouvez le voir sur les photos ou les plans qui sont devant vous, pour rechercher la présence d'éventuels vestiges. Alors, des fois, on trouve des vestiges, hein, c'est par exemple la photo que vous avez en bas à gauche, et puis d'autres fois, évidemment, il n'y a pas des vestiges partout, donc il y a d'autres fois, on enlève les couches de terre les unes après les autres, pour nous arrêter sur ce qu'on appelle le terrain naturel, donc c'est-à-dire ce sont les niveaux sous lesquels on ne peut plus avoir d'occupation humaine. Puisque nous, tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au-dessus. Et donc, on enlève comme ça, petit à petit, les couches de terre les unes après les autres. Donc, cette phase de décapage, elle est assez longue, et elle est toujours suivie par un travail minutieux de terrain. Qu'il y ait des vestiges ou non, on fait toujours un enregistrement très fin de ce qui est trouvé. Donc, la première étape, évidemment, c'est la fouille manuelle des éventuelles structures qui vont être trouvées, de manière à les mettre en valeur. Et la particularité de notre métier, c'est qu'on va détruire les vestiges au fur et à mesure où on les fouille. Donc évidemment, quand on enlève une couche, une fois qu'elle est enlevée, elle a disparu. Donc on a un travail de documentation à faire dès la phase de terrain qui est extrêmement important, puisque une fois qu'on est parti du terrain, tout ce qui reste, c'est la documentation. La mémoire, on sait qu'elle vaut rien, donc tout ce qui est tout doit passer par l'écrit. Donc vous voyez ici quelques exemples. Donc tous les vestiges sont pris en photographie. On fait des dessins aussi de la majeure partie des structures. Vous voyez aussi des fiches papier qui sont remplies, de manière à décrire vraiment les différentes structures. Et puis on utilise également maintenant les GPS ou les taux de lutte laser avant pour relever de manière très précise la localisation de chaque vestige. Une particularité de ce chantier sur la 79, qu'on a moins souvent sur d'autres chantiers, c'est l'importance de la coactivité. Ici, on s'est retrouvé face à plusieurs types de coactivité. Alors, d'une part, il y avait des zones qui n'étaient pas accessibles pour nous, archéologues, pour des raisons environnementales principalement, puisque protégées, soit parce que c'était des zones humides, soit parce qu'il y avait tel insecte ou tel animal à protéger. Donc l'aménageur avait systématiquement délimité ces zones où on avait interdiction de pénétrer, donc on a respecté ces éléments. Et puis quelques chantiers ont nécessité des coactivités, donc des travaux à la fois des archéologues présents sur le terrain et d'autres entreprises, donc là qui ont généré une réflexion sur comment on pouvait travailler ensemble pour que chacun respecte le travail des autres. Alors, ensuite, une fois qu'on a fini la phase de terrain, ça c'est quelque chose qui est moins connu, moins visible, mais on a une phase qui est au moins aussi longue, si ce n'est plus longue, qui est la phase d'étude, où on va traiter toutes les données qui ont été acquises sur le terrain. Donc il s'agit d'abord de traiter la donnée primaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un dessin sur le terrain, il va falloir le mettre au propre pour qu'il soit plus présentable. Toutes les relevés qui ont pu être faits au GPS, par exemple, hein, c'est le petit plan que vous voyez ici, où vous voyez un nuage de points.
terrain, ben ça c'est très bien, mais maintenant il faut dessiner ce qu'on a pu voir. Donc vous voyez le plan du dessous qui est la même zone, mais où on a pu redessiner les vestiges qui ont été mis en évidence. Et puis vous voyez aussi dans la partie droite tout le travail qui est fait par les spécialistes, hein, puisque le travail archéologique est un travail d'équipe. On dit un archéologue, mais en réalité il n'y a pas un archéologue, il y a une multitude d'archéologues. Et donc chaque spécialiste va étudier les vestiges qui lui incombent. Donc le céramologue va étudier les poteries, l'anthropologue va étudier les ossements humains, etc. etc. Et ensuite, on va pouvoir mettre tous ces éléments en commun pour arriver à la phase du rapport. Donc là, on vous a mis la totalité des rapports qui ont été réalisés sur le tracé de la 79. Donc 61 opérations, c'est 61 rapports. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais c'est du boulot. Alors effectivement, ils n'ont pas tous la même épaisseur. Hein. Des fois, on a des diagnostics qui sont complètement négatifs, donc dans lesquels on n'a aucun vestige. Et dans ce cas-là, les rapports sont très légers, et puis il y a des fois, il y a eu beaucoup de vestiges, donc les rapports peuvent faire plusieurs centaines de pages. Voilà, alors on voulait aussi insister sur quelques méthodes qu'on met en œuvre, qui sont assez peu connues. Donc là, on vous en présente deux. Il y a d'une part le travail qu'on peut faire sur toute la cartographie. Alors aussi bien la cartographie ancienne, j'y reviendrai dans un instant, où on réutilise la cartographie ancienne pour essayer d'apporter des informations sur les vestiges qu'on peut être amené à découvrir, et également sur les données ici LIDAR. Donc le LIDAR, c'est un relevé topographique très fin, micro-topographique, qui permet de révéler des micro-reliefs qui sont souvent imperceptibles à l'œil nu et qui gardent la trace d'anciens aménagements. Alors sur la partie complètement à gauche que vous voyez ici, on devine, vous voyez ici des éléments qui sont un peu plus rouges, donc ce sont les parties hautes, et en fait ces éléments sont des bancs de sable qui sont légèrement en hauteur et qui accueillent en fait un site archéologique, on y reviendra dans quelques instants, un site médiéval. Et Simon Baraton, qui a fait l'étude de ce site, a pu, grâce à ce LIDAR, montrer que des bras morts de l'Allier entouraient ce banc de sable. Et donc ce qui explique pourquoi l'occupation se met en place sur les niveaux qui étaient légèrement plus hauts. Nous réalisons également des études géomorphologiques, donc ça se fait de plus en plus depuis quelques années. Il s'agit pour nous en fait de mettre en relation les vestiges qui sont trouvés avec l'environnement géologique et la manière dont les formations se mettent en place au cours du temps. Voilà, donc on voulait aussi vous présenter deux méthodes un petit peu particulières dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui sont des méthodes qu'on emploie régulièrement en archéologie. Alors c'est d'une part l'archéologie du bâti. Donc là vous voyez un exemple avec la ferme de Sannes. Alors je ne sais pas si vous voyez un peu à Toulon au sortir de la RCEA, là, il ne reste plus que la ferme centrale qui est celle que vous avez en photo. Donc ça se trouve ici. C'est une ferme qui a été construite au 19e siècle. Et le service régional de l'archéologie a prescrit à cet emplacement à la fois une étude du sous-sol, donc on a fait un diagnostic classique à cet endroit, et également une étude du bâti rural de cette ancienne ferme du 19e siècle. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'exploitation de la cartographie, donc là vous voyez trois exemples d'anciennes cartes qu'on a pu réutiliser, sur lesquelles on a replacé les bâtiments actuels. Et donc on peut voir que les anciens bâtiments qui ont été détruits au milieu du 19e siècle sont situés à peu près à l'emplacement des bâtiments actuels. Et donc Jean-Baptiste Kowalski qui a fait l'étude, donc une étude de bâti, c'est qu'on va étudier les différentes composantes architecturales. Hein, donc là en l'occurrence, vous avez sur la photo de droite. Hop, pardon, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton.
Voilà. Ici, une étude des maçonneries. Hein, donc on regarde la manière dont les murs sont construits. Ça permet d'éventuellement découvrir des changements de fabrication, des changements d'usage de mortier. On n'utilise pas forcément les mêmes mortiers. Et donc là, sur ce mur, on a pu mettre en évidence qu'un arrêt de construction avait été mis en place sur ce mur, qui a été repris seulement quelques années plus tard. Voilà, cette étude permet de comprendre la manière dont les bâtiments qui sont encore en élévation aujourd'hui ont été construits. Donc on réalise des études de bâti là sur une ferme du 19e siècle, mais on réalise des études de bâti sur des églises médiévales, sur tout bâtiment qui est encore en élévation, ou sur tout élément qui est encore en élévation. On peut avoir juste un fragment de mur conservé quelque part qui peut faire l'objet d'une étude de bâti. Et la deuxième type d'intervention qui a été réalisée, donc là par les collègues de l'INRAP, c'est une intervention subaquatique, donc dans le lit de la rivière Allier, où des plongeurs sont venus essayer de voir si des vestiges étaient conservés dans le lit actuel de l'Allier. Donc ça reste intéressant puisqu'on peut mettre en évidence des vestiges, alors soit des vestiges d'anciens ponts, soit des pêcheries, soit des moulins, ce genre de choses qui peuvent être conservées dans les lits de l'Allier. Donc là, en l'occurrence, les collègues n'ont pas trouvé énormément de choses, quelques tessons qui traînaient. Ils ont réalisé un petit sondage manuel également. Et vous voyez quelques cartes qui montrent également l'évolution du cours de l'Allier. Donc là, petit moment pub, je vous invite à revenir demain, puisque vous aurez une communication d'Estelle Cournaise qui parlera plus précisément des évolutions de la rivière Allier sur ces différents tracés. Voilà, donc maintenant on va vous présenter les résultats concrets qu'on a pu obtenir sur ce chantier. Alors je tiens à vous dire que là, ce qu'on va vous présenter tous les trois, c'est en fait pas notre travail à nous uniquement, mais c'est un travail avec plus d'une vingtaine d'archéologues. Enfin, pour le Salvador, on était une vingtaine, pour l'INRAP, je ne sais pas trop combien vous étiez, mais à peu près pareil. Voilà. Donc il y a en réalité voilà, plus d'une trentaine d'archéologues qui ont travaillé. Donc on les représente aujourd'hui, mais c'est vraiment un travail collectif qui a été mis en place. Je prends le relais avec nos cartographies, pas forcément très lisibles, mais pour vous montrer évidemment avec les points verts, tous ces nouveaux sites, ou alors ce que nous on appelle dans notre jargon des entités, on pourrait discuter de la définition, mais c'est en tout cas une série de vestiges qui a été découverte sur le tracé de la 79. Il y en a 117 au total enregistrés désormais dans notre base de données. J'évoquais tout à l'heure 68 entités préexistantes, donc on a triplé le nombre de vestiges archéologiques répertoriés sur une bande allée de 200 à 300 mètres de part et d'autre de la RCEA. Et on voit bien effectivement cet effet de densité, puisque de plus en plus sur notre carte archéologique régionale, on pourrait presque suivre la RCEA en reliant les points. Et effectivement, on voit tout l'apport de ce tracé depuis plus de 20 ans à la connaissance archéologique du département. Alors si on essaie un petit peu de faire le tri parmi tout ça, parce qu'évidemment parmi nos entités archéologiques, on a des sites complets, et puis on a parfois des sépultures de vaches qui ont été enterrées par le paysan, voilà, tout ça est regroupé sous le terme entité. Donc si on essaie un petit peu de serrer tout ça, moi j'ai dénombré, avec ma collègue Elisabeth Lacoste, 42 sites ou indices de sites, qui sont répartis de manière contrastée sur le tracé, vous le voyez, on a des phénomènes de concentration notables, notamment au niveau de la traversée du Val d'Allier, autour de Toulon sur Allier, sur la partie orientale du tracé, avec des vides qui sont assez marqués, notamment dans la partie ouest, puisqu'on voit qu'entre le secteur de Deux-Chaises et la vallée de l'Allier, on a presque aucun site, hein, ou indice de site, aucun site qui ont été répertoriés. Alors, il faut pondérer cette vision, puisque si vous vous rappelez la carte des diagnostics que je vous ai montré tout à l'heure, il y a beaucoup moins eu de diagnostics dans ces secteurs. Donc évidemment, la probabilité de découvrir des vestiges était moindre. Mais pour autant, on a effectivement pu constater qu'on avait des phénomènes de conservation qui étaient très dégradés dans ces régions, puisque les vestiges, ils ont bien existé évidemment, c'est des secteurs qui ont été occupés de longue date, mais ils ont pu être très souvent très érodés, et hormis certains contextes particuliers qui ont permis la conservation, les sites étaient souvent très dégradés. Gabriel avait pu s'en rendre compte au préalable, puisqu'il y avait le diagnostic de l'échangeur de Montmarot qui avait été réalisé préalablement, et on est dans des secteurs où effectivement les terrains sont très, très érodés. Alors,
une répartition géographique contrastée, mais aussi une répartition chronologique, puisque vous voyez le code couleur qui est à droite. On a des sites qui s'échelonnent depuis le paléolithique jusqu'à la période contemporaine, on l'a vu avec la ferme de San. Des sites aussi qui couvrent une longue chronologie, depuis la préhistoire jusqu'à parfois jusqu'au Moyen-Âge, voire jusqu'à la période moderne. Mais on voit effectivement quand même une forte présence des sites représentés en orange ici, qui sont les sites de l'Antiquité, l'Antiquité gallo-romaine, et puis les sites signalés en bleu qui sont les sites du Moyen-Âge, et qui forment le plus gros contingent des sites qui ont pu être découverts sur ce tracé, même si on voit que l'ensemble des périodes est représenté avec effectivement des témoins paléolithiques, des témoins du néolithique, je reviendrai un peu après sur cette distinction, et puis des témoins des âges des métaux, âge du bronze et âge du fer, qui correspondent pour la fin de cette période à la période gauloise qu'on connaît bien. J'évoquais la préhistoire, c'est ma spécialité, on s'est un peu réparti la présentation des sites en fonction de nos domaines de compétences. Je vais essayer de vous parler rapidement de la préhistoire, rapidement, parce qu'effectivement, ce sont les sites qui sont les moins bien représentés sur le tracé, malgré des contextes qu'on imaginait au préalable très favorables, les grandes vallées hein, qui traversent le département, Val d'Allier, Val de Loire, où de longue date, des prospecteurs avaient ramassé sur les plages des rivières des outils préhistoriques en silex, de nombreux objets, qui nous laissaient penser que ces sites étaient extrêmement denses dans ces secteurs. C'est le cas, évidemment. Mais lorsqu'on ramasse des silex sur les plages de la rivière, ben, ces silex, ils ont déjà été bouleversés, perturbés, déplacés par la rivière, et évidemment, le site n'existe plus quand on les découvre. Donc là aussi, on a une fausse impression, parfois, de concentration. C'est le cas, notamment, dans la vallée de l'Allier, vous le voyez avec la carte à droite, puisque effectivement, là aussi, Estelle Cournaise en parlera évidemment demain, mais on a une rivière qui est extrêmement tumultueuse, qui a beaucoup bougé au cours des siècles et qui a beaucoup bougé sur les derniers siècles de notre histoire, puisque la vallée de l'Allier a connu parfois des déplacements de 200 à 300 mètres sur un siècle ou deux. Et évidemment, au fur et à mesure de ces déplacements, la rivière a elle-même détruit des sites archéologiques, sites qu'on ne retrouve plus que sous la forme d'objets qui ont été déplacés par l'eau. Ce qui explique que sur près de 4 km sur ce tracé, qui correspondait pourtant à une zone où on allait créer une nouvelle route, eh bien, aucun vestige, aucun site n'a été trouvé, puisqu'évidemment la rivière avait fait son œuvre et avait détruit les vestiges. Et ces vestiges sont plutôt concentrés sur les terrasses, sur les zones de plateau de part et d'autre. C'est ce qu'avait déjà bien vu Patrick Pion en 1981. Je me suis permis, avec Laurence, de remettre cette figure, parce que pour montrer qu'en 1981, il y avait déjà eu une étude préalable sur le tracé de l'RCEA, avec une réflexion qui était assez aboutie sur la localisation des sites, leur conservation et les contextes qui pouvaient être le plus propices. Et Patrick Pion avait produit ce diagramme où il montrait qu'on pouvait avoir des sites préhistoriques très bien conservés pour les périodes anciennes sur les parties hautes, et puis en redescendant évidemment des phénomènes de concentration de sites plus récents ou plus proches de la rivière. Donc vous voyez, entre le travail de Patrick Pion en 1981 et l'étude documentaire qui a été faite par Simon Baraton du SAPDA en 2019, on a près de 40 ans qui se sont écoulés, mais on est toujours sur cette réflexion sur la localisation des sites et évidemment le travail de repérage. J'évoquais tout à l'heure la présence de l'homme, elle est fondamentale dans notre métier. L'archéologie, c'est évidemment rechercher avant tout les traces de la présence de l'homme. Mais c'est aussi remettre ces traces, ces vestiges dans un paysage et restituer un paysage qui est somme toute différent d'une autre. Alors pour les périodes plus récentes de l'histoire, mais mes collègues me contrediront sûrement, les choses, on peut évoluer, mais plus on remonte dans le temps, évidemment, plus pour la préhistoire ancienne, plus les paysages ont fortement évolué. C'est ce qu'on a pu repérer, mettre en évidence, c'est le diagnostic qui a été réalisé par Gérard Vernet au plus proche de la rivière Allier, sur la commune de Bessay. On est à l'emplacement d'une des piles du futur pont qui va traverser l'Allier. Et à cet emplacement-là, Gérard Vernet a eu la chance, c'est la grande coupe qui est présentée ici à droite, de repérer une série sédimentaire impressionnante. Alors ce sont des accumulations de sable de rivière en réalité. Alors vous voyez l'échelle qui est en tout petit ici, 2 mètres, donc on a près de 10 mètres d'accumulation de sable depuis le bas de la séquence. On n'est pas tout au substrat qu'évoquait Gabriel tout à l'heure, hein, donc la séquence est plus profonde encore. Et on voit effectivement ces sables ont été déposés par la rivière Allier au cours du temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la rivière Allier, à une période assez récente, est venue passer à cet emplacement-là. On a l'incision, la coupure qui a été
réalisé par la rivière lors de son passage. Alors, ce passage de la rivière, on l'estime, mais il n'a pas encore été daté de quelques milliers d'années. Mais on voit effectivement que la rivière, à ce moment-là, est venue couper des séries de sables qui sont beaucoup plus anciennes, avec notamment cette série notée en rouge tout en haut, et qu'on connaît bien dans notre région, notamment plus en amont dans le département du Puy-de-Dôme, où cette terrasse a été datée autour de 15 000 ans. Donc ça nous fournit un repère, puisque les archéologues travaillent en stratigraphie, avec l'idée évidemment que les couches les plus anciennes sont celles qui sont en dessous, sous toutes les autres. Donc effectivement, cette couche de sable qu'on estime autour de 15 000 ans, elle vient surmonter une succession d'accumulation de sable qu'on imagine avoir été déposée antérieurement à 15 000 ans et au cours de la dernière glaciation, pour faire simple. Vous voyez cet effet de vaguelette que Gérard Vernet artistiquement a représenté sur sa coupe. Ça correspond à des déformations par le gel d'anciens sols préhistoriques. Et donc il faut imaginer que les sols ont été puissamment affectés par le gel avec des conditions climatiques nettement dégradées par rapport aux nôtres, qui ont entraîné des fissures, des phénomènes effectivement de convulsions, parce que voilà, les premiers préhistoriens appelaient des convulsions, et c'est plutôt bien restitué. Voilà, en tout cas, des déformations fortes des sols sous l'effet du gel. Il faut imaginer qu'on a des périodes où on est entre 5 et 10 degrés en dessous des températures actuelles, et on a des paysages qui sont totalement différents. Dans nos paysages de l'Allier, on voit circuler des mammouths, on voit circuler des rennes, on voit circuler des chevaux adaptés au contexte glaciaire, des rhinocéros laineux, etc., etc. Bref, tout un autre monde. Et évidemment, cette coupe, elle a un intérêt parce qu'elle nous permet de comprendre les paysages dans lesquels ont évolué les hommes au cours de cette préhistoire. Et donc, ce secteur-là a fait l'objet d'une fouille particulière, et c'est sans doute une des premières en France, puisqu'on a fait une fouille archéologique sur un site où il n'y avait pas de vestiges archéologiques. Mais vous voyez bien quel était l'enjeu, c'était de comprendre évidemment l'évolution du paysage au cours du temps, sachant que tout en bas de la séquence, vous avez des couches noires, qui sont des couches très tourbeuses, avec là un paysage qui était extrêmement... avec une végétation assez dense, beaucoup plus chaud que la période glaciaire et un peu plus chaud que le climat actuel, et qui correspond à la dernière période interglaciaire, puisque vous savez qu'on passe d'une succession de glaciations à des périodes interglaciaires. Actuellement, on est dans une période interglaciaire. Mais là, c'est sans doute la précédente, autour de 115 000 ans. Donc vous voyez, du haut de cette coupe, 100 000 ans d'histoire nous contemple. Des vestiges préhistoriques, on en a quand même trouvé sur le tracé. Je vais passer vite, mais avec quelques clins d'œil aux travaux des collègues malgré tout. C'est souvent des découvertes fugaces, très légères, qui n'ont pas fait l'objet de fouilles parce qu'elles pouvaient être isolées. Ça a été le cas notamment de ce petit foyer qui a été découvert sur la commune de Diou par Benjamin Houry de l'INRAP, qui était associé à quelques éclats de silex, qui nous laisse à penser qu'il date sans doute d'une période récente de la préhistoire, autour de 5000-6000 ans, le néolithique, et qui correspond sans doute à une petite occupation du type bivouac, ou alors elle était associée à un habitat plus stable, mais dont on n'a pas retrouvé les vestiges à l'occasion du diagnostic. Mais un joli travail a pu être réalisé, notamment sur la nature des charbons qui ont pu être découverts, et sur les essences d'arbres qui avaient été brûlées par ces hommes de la préhistoire. Découverte intéressante aussi, mais isolée, par Bertrand Houdus sur la commune de Dompierre-sur-Bèbre, des fosses à un profil particulier qu'on appelle en archéologie des fosses à profil en Y. Effectivement, la description est juste. Et sur lesquelles il y a beaucoup de discussions depuis de nombreuses années, qui ont été datées dans d'autres régions, notamment dans l'est de la France, en Champagne-Ardenne, qui sont souvent du néolithique ou de la période qui précède, le mésolithique, donc soit des populations de chasseurs-cueilleurs nomades, soit des populations de premiers agriculteurs. Et elles ont été interprétées, interprétations intéressantes, comme des pièges de chasse. Alors effectivement, dans les grandes plaines de Champagne-Ardenne, on peut les fouiller sur des dizaines de milliers de mètres carrés, et effectivement on voit qu'elles ont une cohérence et qu'on a des stratégies de chasse qui se dessinent. Ici, on était dans un secteur très contraint, une petite zone aux abords de l'autoroute, donc une a pu être repérée, elle a été conservée par une mesure technique. Mais voilà, ça nous donne un repère de ces structures qu'on ne connaissait pas très bien d'ailleurs dans le département. Et puis un élément en silex qui est assez joli, trouvé par Jean-François Pastiat, dont Pierre-sur-Bèbre aussi, qui nous montre évidemment que ces vallées, les vallées principales, Allier-Loire, mais aussi les vallées secondaires comme la Bèbre, évidemment, hein, le site de Châtel-Perron est proche, mais ont été extrêmement fréquentées au cours de la préhistoire. Là, vous voyez que sur ce bloc de silex, les hommes de la préhistoire ont cherché à produire des petites lames extrêmement tranchantes. Je passerai rapidement à la proto-histoire, la période qui suit, avec pour la période la plus ancienne l'âge du bronze. Vous voyez très peu d'indices de la préhistoire, une fouille
Pour l'âge du bronze, on a aussi peu de choses en réalité. Un site qui a été découvert par les équipes du SAPDA, Kevin Dixon en était responsable de l'opération, qui est daté de la toute fin de la période de l'âge du bronze. On est autour de 800 avant Jésus-Christ, hein, quelques décennies avant la fondation mythique de Rome, pour donner quelques repères historiques qu'on a tous. Voilà, on est dans ces horizons chronologiques-là, avec une occupation rurale qui est extrêmement lâche, dont il ne reste que des traces ténues. Les sols de cette période ont disparu et il ne reste que des vestiges, des structures qui ont été creusées, alors des fosses, des dépotoirs. Vous voyez que l'une d'entre elles, à droite, a livré énormément d'objets en céramique. Et puis des trous de poteaux qui correspondent à des traces de bâtiments, mais aussi des objets un peu plus marquants, emblématiques, comme cette épingle en alliage cuivreux qui a été découverte à l'occasion du diagnostic. Et ce site a fait l'objet d'une fouille. Sur la même emprise, mais dans un autre secteur, on est de l'autre côté de la RN7. La période suivante, le début du second âge du fer, on est quelque part autour de 450-400, l'époque de Périclès et du Parthénon, là aussi, si on veut quelques repères en Grèce, voilà, pour savoir ce qui se passe. Et bien, à Toulon-sur-Allier, on avait sans doute une petite ferme, un petit établissement agricole qui a livré là aussi des traces d'un possible bâtiment ou d'un niveau de sol. La fouille a apporté des éléments complémentaires sur ce site avec des céramiques qui sont associées. Et vous voyez tout le travail des archéologues et de décrire ces céramiques, de les dessiner pour pouvoir ensuite les assembler et les dater. Et puis on se rapproche petit à petit de la période qui nous est plus familière, la fin de la période gauloise, celle qui est presque contemporaine ou qui précède immédiatement la conquête, avec là aussi des petites découvertes fortuites qui sont extrêmement intéressantes, des petits foyers, des zones où effectivement les hommes ont pratiqué des activités de cuisson sans qu'on sache réellement dans quel type de contexte, si on est en plein air ou si on est à l'intérieur de bâtiments, parfois ils sont plus ou moins bien conservés. Sur le secteur de Toulon-sur-Allier, toujours, dans une zone notée des 15A et puis son pendant des 15B, deux de ces foyers ont été découverts. On est quelque part autour de 100 avant Jésus-Christ, avec l'un d'entre eux qui était bien conservé, qui voyait à droite, qui a été aménagé dans une petite cuvette dont les parois ont été brûlées. Et donc là, les équipes du SAPDA, pour pouvoir en faire une fouille très fine, l'ont prélevé en bloc et ont transporté tout ça en laboratoire pour pouvoir l'étudier plus précisément. Et puis là, un petit panel pour s'écarter un petit peu de Toulon-sur-Allier quand même, montrer qu'il y a eu évidemment d'autres découvertes, pour certaines aussi ténues, c'est le cas notamment à deux chaises au niveau de la future barrière de péage, où un bâtiment sur quatre poteaux, vous les voyez, les traces de ces quatre poteaux a été trouvée, on est quelque part là aussi entre 200 et 100 avant Jésus-Christ, alors ça peut être un grenier, ça peut être un poulailler, on peut tout imaginer, il ne reste de ce bâtiment que les quatre empreintes des poteaux, mais évidemment avec une datation qui est intéressante, mais là aussi des vestiges isolés donc, qui ont pu être complètement étudiés lors du diagnostic. Un peu plus loin, sur la commune de Trongey, donc Laurent Vallée avait fait le précédent diagnostic, Marion Legagneux a pu découvrir un site elle, plus structuré du second âge du fer aussi, autour de 200 avant Jésus-Christ, avec des foyers, vous voyez ces structures hein, qu'on retrouve assez régulièrement, et puis un site avec des fossés, des bâtiments sur poteaux, qui avait fait initialement l'objet d'une fouille et qui a pu être en définitive conservé parce que là, l'aménageur a renoncé à réaliser des aménagements à cet emplacement, donc ces vestiges sont encore en place sous les terrains qui ont été laissés à l'état de champ et ils sont peut-être fouillés ou étudiés par des futures générations d'archéologues. À Toulon, dans le secteur des ateliers de potiers antiques, Gabriel y reviendra, des zones de rejet de céramique de la période gauloise ont pu être mises en évidence. Là aussi, cette fouille a été prescrite, elle n'est pas encore réalisée. Mais on a évidemment un matériel céramique qui est de bonne qualité, qui est très bien conservé. Et puis le site sans doute le plus structuré pour la période, qui a été trouvé à Dompierre-sur-Bèbre par Maxime Pasquale, et qui correspond à un établissement rural sous forme d'enclos. Alors vous voyez, le diagnostic, c'est aussi tout le jeu et parfois la frustration pour les archéologues des diagnostics, c'est qu'évidemment, on n'étudie pas les sites intégralement. Et vous voyez, pour cette ferme gauloise, on a, alors il faut imaginer qu'on a des fossés qui sont en parallèle, la fouille les a révélés, on a un angle de fossé ici, et vous voyez que cette ferme, elle se développe à l'extérieur de l'emprise, et donc l'étude sera peut-être complétée dans quelques années par d'autres fouilles.
En tout cas, la fouille de cette partie-là a révélé des choses intéressantes, des structures de conservation du vin, des silos, des bâtiments sur poteaux. Et puis, élément intéressant, des dépôts d'armes gauloises dans les fossés, puisqu'il y a eu une épée, un fer de lance et un nimbot de bouclier, une partie centrale de bouclier en métal qui ont été conservés. Je passe la parole à Laurence. Alors, moi, je vais vous présenter plus précisément les établissements antiques, médiévaux, et puis les découvertes qu'on a pu faire qui se rattachent aux périodes plus récentes, plus proches de nous. Donc plusieurs occupations antiques ont été observées sur les différentes parties du tracé. On a vu tout à l'heure que les points étaient nombreux. Je vais en présenter certaines selon un axe d'ouest en est. Donc le site le plus occidental a été découvert sur la commune de Dechaize, au lieu dit la queue de la poêle. Le diagnostic D5 a livré des structures fossoyées organisées autour d'un enclos constitué par au moins deux fossés, des trous de poteaux et un probable bâtiment semi-excavé ont été dégagés à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclos. Donc il s'agit d'un établissement rural antique qui semble dater du 3e siècle de notre ère. En rive droite de l'Allier, plusieurs sondages ont eu lieu sur la commune de Toulon-sur-Allier, dans un secteur qui a anciennement livré des vestiges d'ateliers de potiers. Les diagnostics récents ont ainsi validé la présence des installations artisanales, mais ils ont également mis en évidence des structures d'habitat implantées aux marges ou en relation avec les fours. Au nord donc, de l'opération D15, voilà la partie jaune. Simon Barenton a découvert donc, sur une petite terrasse de sable entourée de paléochenaux un habitat sur poteaux porteurs retrouvé sur une superficie minimale de 4500 m². Il est occupé au 2e et 3e siècle de notre ère. Donc on voit là, l'image, les photos prises au drone de certains de ces bâtiments sur poteaux. Et ainsi un peu plus bas que les détails de comblement de fosses. Face à ces découvertes, il est possible que Toulon, tout comme je ferai un parallèle, donc plus au sud chez les Arvernes, tout comme le site de Lezoux, ait été dans l'Antiquité de véritables agglomérations à vocation artisanale, plus ou moins densément peuplées. Les lieux de vie de Lezoux semblent s'organiser autour des zones d'atelier selon une trame plus ou moins dense et on rencontre peut-être un modèle similaire à Toulon-sur-Allier. Donc il y a d'autres illustrations venant du rapport de Simon, avec des détails en haut des remplissages des fosses vues en plan. Un détail, ben voilà, on parle tout le temps des bâtiments sur poteaux porteurs, donc au détail des éléments de calage, de ce qui calait les poteaux en bois. Souvent ce sont des éléments de terre cuite, des tégulés antiques, qui sont placés, fichés dans la terre. On a aussi la photo d'une coupe en sigillé avec la signature du potier. Toujours à Toulon-sur-Allier, deux autres diagnostics ont mis en évidence des structures en creux associées à des bâtiments, dont la trame paraît moins dense. Ils sont peut-être implantés aux marges de ce vaste établissement. Outre des fosses, des fossés et des bâtiments sur poteaux, on a également découvert des canalisations en terre cuite. Voilà. Des canalisations en terre cuite architecturale. Et ainsi qu'une meule complète. Donc la présence de ces aménagements témoigne d'une part d'une gestion des eaux usées ou au contraire des eaux d'adduction, et d'autre part d'un traitement des céréales sans doute dans un cadre domestique. À quelques kilomètres à l'est, à Thiel-sur-Acolin, deux ensembles séparés de 500 mètres ont été datés de la période antique. Ils comprennent des bâtiments sur poteaux porteurs, ainsi que des bâtiments semi-excavés avec des toitures antigulées effondrées. Plusieurs fosses et tout un ensemble de fossés qui ont soit des fonctions de fossés parcellaires, soit sont associés à des enclos.
L'origine de ce site remonte à la fin de la période gauloise. Il pourrait s'agir de deux unités d'exploitation agricole distinctes, donc deux fermes, ou alors d'une seule unité, plus large, mais qui pourrait être associée à des espaces non aménagés. On peut envisager les lieux de culture, des prairies qui ne laissent pas de vestiges apparents. Et donc, qui sont associés à des secteurs à vocation domestique ou agro-pastorale. Le diagnostic a mis en évidence que le site ouest semblait avoir une vocation plus fonctionnelle, avec des bâtiments utilitaires, peut-être des granges, des dépendances et des enclos fossoyés. À titre indicatif, sur ce diagnostic, outre la photo zénitale prise au drone et le plan qui sont à gauche, qui représentent les tranchées des diagnostics, on a les deux plans de masse des vestiges catégorisés par période pour l'un d'entre eux, donc qui ont été réalisés après les deux fouilles qui viennent de s'achever cet été et qui ont été menées par Marion Legagneux pour Archéodonome et par Magali Epp pour l'INRAP. Alors, outre cette hypothétique agglomération ou ces bâtiments agro-pastoraux, on a aussi régulièrement découvert des bâtiments avec des emprises plus ponctuelles, donc des tailles plus réduites. Alors l'un des exemples, c'est sur le diagnostic D22, où sur les 13 hectares de l'emprise, on a le décapage fait par Kevin Dixon, a mis en évidence dans un secteur anciennement occupé aux périodes proto-historiques, une fosse, une mare et au moins deux bâtiments antiques sur poteau porteur, dont l'un atteint une superficie de 60 mètres carrés. Alors, ces bâtiments s'inscrivent dans un réseau parcellaire qui va être occupé jusqu'au Moyen-Âge. Un autre exemple a été découvert plus à l'est, à Oulinet, où les restes sommaires d'un bâtiment sur quelques poteaux ont été reconnus, lui aussi, dans un réseau ortholorné. Des fossés creusés à la période antique ont été régulièrement rencontrés dans les différentes opérations. Leur fonction est de drainer les zones humides ou également de marquer les emprises foncières des propriétés antiques. Parfois, leur comblement dénote un entretien sur une très longue période pouvant aller jusqu'au Moyen-Âge. Alors, on présente ici un exemple particulier. Voilà, sur la commune de Chemilly, sur l'opération D13, Jean-François Pasty a découvert dans un fossé un lot important de céramique placé entre l'époque augustéenne et la première moitié du 1er siècle de notre ère. Ce dépôt semble avoir été volontaire et pourrait marquer la limite territoriale d'un domaine. Des exemples similaires sont connus et retrouvés régulièrement dans toutes les régions de France. Seuls deux ensembles funéraires ont été mis au jour lors des phases d'évaluation archéologique. Le premier, à Toulon-sur-Allier, sur le D17, a été retrouvé donc, par Gabriel, proche de vestiges d'habitat rattachés aux ateliers de potiers gallo-romains déjà évoqués. Il s'agit d'une petite zone funéraire datée du début du 2e et du début du 3e siècle, qui a livré trois fosses charbonneuses, dont l'une a fourni un mobilier céramique très riche, dont certaines pièces brûlées présentent des stigmates d'exposition violente à la chaleur. L'étude céramique a permis de reconnaître des pièces provenant autant des services de table, une assiette, des coupes en sigillé, que des éléments de préparation culinaire. On a par exemple une cruche ou une jatte en tripode. Le second ensemble est à Molinet, dans le diagnostic D41B. Il a été détecté sur une superficie de 90 mètres de long sur 60 mètres de large. Et on a reconnu au moins trois bûchers funéraires et plus d'une demi-douzaine de dépôts charbonneux en fosse, installés peut-être dans le courant du 1er siècle de notre ère.
l'un des dépôts de crémation était installé dans une urne en verre. Pour la période médiévale, donc, on repart sur Toulon sur Allier. On avait déjà évoqué l'importance de cette commune pour la période antique et elle se pérennise visiblement la période médiévale. Sur un banc de sable entouré par les anciens méandres de l'Allier, un habitat d'une superficie minimale de 0,6 hectares, daté de la fin du 7e au début du 10e siècle, a été matérialisé par une forte densité de structures en creux. Plus de 70 trous de poteaux sont délimités à l'est par un paléochénal et sont associés à un enclos. Ces aménagements forment des bâtiments bien distincts, qui rappellent pour certains des greniers sur pilotis. Plus au nord, sur la même crête sableuse, un second site médiéval est plus tardif. Il s'inscrit entre le XIe et le XIIIe siècle. Et il a été reconnu dans la phase de diagnostic sur une superficie minimale toujours de 5 500 m². Lui aussi est formé de bâtiments sur poteaux porteurs, de fosses, de fossés, d'enclos. Donc on a quelques exemples de l'organisation spatiale de cet habitat, avec les plans de bâtiments ou alors les aperçus des trous de poteaux en plan et en coupe. Même commune, Toulon-sur-Allier, mais sur le diagnostic des 19, on a également retrouvé un site habitat, un site médiéval à vocation agricole et artisanale. Donc ça confirme, voilà, ça vient toujours en complément sur la connaissance de l'occupation de cette commune. Et alors, de manière plus anecdotique, on peut souligner la découverte de quelques fosses médiévales qui ont été retrouvées plus proches de l'Allier, hein, sur le diagnostic de Bessé-sur-Allier, le D14C, mené par Jean-François Pasty. Et on peut se poser aussi la question, donc ils sont vraiment là dans les anciens, le lit mineur du fleuve, et on peut se demander si ça ne correspond pas à l'extension la plus occidentale de l'établissement médiéval. L'aire de repos de Pierrefitte-sur-Loire, localisée au lieu dit du Bois Vernillard, a été fouillée par Sébastien Grimm au moment de son installation, à la fin des années 90. Donc, il était apparu à l'époque un hameau daté du XIIe siècle, composé de 4 maisons, d'une possible charbonnière et d'un dépôt monétaire. Le diagnostic des 37 a mis en évidence les extensions méridionales et orientales du site, matérialisées par 2 fossés orthogonaux, larges de 2 mètres et profonds de 80 cm. Le mobilier qui est retrouvé dans leur comblement est attribué au XIIe et XIIIe siècle. Quelques fosses et quelques trous de poteaux dans le voisinage indiqueraient l'extension aussi des bâtiments associés au village. Alors, à Molinet, sur le même diagnostic où je vous ai parlé de la nécropole antique avec les bûchers, un vaste habitat vient tout récemment d'être daté par radiocarbone du Haut Moyen-Âge, donc entre le 8e et le 10e siècle. Il a été mis au jour sur une superficie minimale de 2,5 hectares, et il se compose d'une multitude de structures fossoyées, fosses et trous de poteaux, dont certains contiennent des rejets de foyers. Et on a également découvert un four sans que l'on ait pu statuer sur son contexte. Est-ce qu'il est, c'est un four domestique ou est-ce que c'est un four artisanal? Ponctuellement, certaines emprises sondées ont livré des éléments céramiques témoignant de la fréquentation des terroirs à ces périodes. Alors on a par exemple un réseau de drainage et peut-être une mare à Dompierre-sur-Vèbre, sur l'opération des 32, proche de l'abbaye de Sept-Fonds, ou encore sur la même commune, dans le voisinage de la Bèbre, un groupe de 8 trous de poteaux qui forment une partie de l'ossature d'un bâtiment du XIIIe siècle et qui a été découvert
par Bertrand Duss. Enfin, le dernier exemple présenté, localisé sur la commune de Montbony, où au moins deux bâtiments sur poteaux porteurs ont été décapés. L'un d'entre eux, associé à du mobilier plus abondant, est daté de la fin du Moyen-Âge, 13e, 14e siècle. Dans de nombreux diagnostics, les terroirs sont très fortement impactés par des aménagements de drains. Ces drains sont formés d'accumulations de pierres et de galets, le plus souvent de tuyaux en terre cuite et parfois même de tuyaux en plastique. Ils traversent les parcelles à des profondeurs très variées et certains d'entre eux se retrouvent sur les cadastres napoléoniens qui témoignent de parcellaires orthonormés. Ont aussi été retrouvés des bâtiments, des fossés bordiers, d'anciens chemins, des clôtures, des éléments de palissade, des fosses de plantation dédiées à l'arboriculture ou à la viticulture, des carrières de sable et à Dompierre-sur-Bèbre, un aménagement particulier, un aqueduc maçonné en briques daté de la fin du XVIIIe au XIXe siècle, se dirigeant vers l'abbaye de Sept-Faux. Là, on a un exemple de chemin moderne retrouvé à Molinet sur le D41A par Sophie Bininger, ou encore l'enrobé de la route départementale 779 à Coulanges. Alors, on va revenir un petit peu dans le temps, puisque moi, on va revenir sur la période antique. Et je vais vous faire un petit focus sur les principales installations artisanales qui ont été découvertes, donc principalement sur Toulon-sur-Allier, dont Laurence vous a parlé tout à l'heure. Donc elle a évoqué le fait que une agglomération autour de l'activité de fabrication de poterie était connue. Donc deux sites principalement sont documentés depuis le 19e siècle, depuis les premières découvertes du 19e siècle. C'est le site du Larry et le site de la Forêt. Donc ces deux sites ont été largement fouillés au XIXe siècle et des reprises de données ont eu lieu dans les années 1980. Et depuis, il n'y a pas eu de recherches qui ont été remenées vraiment sur les sites eux-mêmes. Donc les diagnostics qui ont été menés tout autour de ces sites ont permis d'apporter des données nouvelles. Alors le site du Larry, il est connu grâce à une dizaine de fours, quadrangulaires pour la plupart, un seul est circulaire, et les productions sont extrêmement bien connues également. Une thèse en cours par Floris Alvaya justement étudie ces productions et les échanges qu'il y a pu avoir notamment avec les ateliers de Lezoux qui sont plus au sud, plus proche de Clermont-Ferrand. Et on produisait en plus de la céramique des figurines en terre blanche. Le site de la Forêt est un petit peu moins bien documenté, mais vous voyez quelques photos de bâtiments qui ont été fouillés en 1980 sous l'actuelle route de la RCEA. Alors un seul four est connu par des mentions du 19e siècle, mais on ne sait pas du tout le situer. Et en revanche, on a ces traces de bâtiments qui pourraient être des habitats liés aux ateliers eux-mêmes. Donc le premier diagnostic qui concerne probablement ces ateliers se situe donc au Larry, a été réalisé par Rodrigue Guillon. Et donc vous voyez sur le plan qui est au centre, le terrain, enfin on ne le voit pas sur le plan justement, mais le terrain ferme une pente du nord vers le sud, très marquée. Donc toute la partie sud, c'est là toutes les tranchées que vous voyez en jaune, sont caractérisées par des dérivations du cours de la Sonnante qui passe, que vous voyez en bleu tout en bas. Et donc, au cours du temps, la Sonnante, le tracé de la Sonnante a beaucoup bougé et a divagué dans la partie basse de cette prairie. Et les aménagements humains sont eux plutôt concentrés dans la partie haute, de manière assez logique. Donc, plusieurs vestiges ont été découverts. Donc, Raphaël a évoqué des vestiges proto-historiques dans cette zone-là, mais on en retrouve jusqu'à la période médiévale. Et les vestiges antiques sont malgré tout les mieux documentés. Et on se trouve ici probablement en marge, en
bordure, enfin en limite du coup de l'atelier, avec plusieurs types de vestiges, avec de nombreuses fosses, ce que vous voyez ici, hein, donc beaucoup de fosses côte à côte qu'on ne sait pas trop interpréter, plusieurs bâtiments dont vous voyez là, ici des tranchées de récupération, d'autres grands bâtiments qu'on a à peine pu aborder ici, avec une canalisation qui vient probablement évacuer l'eau de ce bâtiment jusque dans la pente. Canalisation aménagée avec des tuiles, donc des tuiles posées en biais pour former la canalisation et puis des tuiles à plat pour la fermer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mobilier associé à ces occupations, enfin une partie du mobilier en tout cas, est tout à fait caractéristique d'ateliers, hein, puisqu'on retrouve énormément de déchets liés à la production potière. Ces fragments de moules que vous voyez ici, hein, donc qui servent à la fabrication notamment des céramiques sigillées, ces céramiques très rouges que vous devez voir si vous avez un peu l'habitude de croiser des céramiques sur ces périodes-là, qui sont souvent décorées, hein, donc vous voyez le décor, donc ce sont des céramiques qui sont là, l'argile est appliquée à l'intérieur du moule. On retrouve également des ratés de cuisson. Donc ce sont les éléments que vous avez ici, par exemple. Et puis, juste à côté, ici, un fragment de séparateur. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant, puisque ça se trouve uniquement dans les fours. Ça permet de séparer les poteries entre elles au moment de la cuisson. Hein, donc tous ces éléments permettent d'attester qu'on est, si ce n'est sur l'atelier, du moins en périphérie, sur des zones de rejet des productions. Et donc vous voyez, en plus de la production céramique, quelques éléments de figurines qui ont été retrouvés. Un autre site également mis en évidence par Rodrigue Guillon, qui est dans une zone qui est très mal connue, mais un petit sondage a permis de mettre en évidence plusieurs fossés qui ont livré, là encore, énormément de mobilier, notamment céramique, et du mobilier céramique brûlé. Donc là, le sondage était trop petit pour qu'on puisse se faire une idée de l'interprétation fine de ces éléments. Plusieurs hypothèses peuvent être proposées, dont effectivement des rejets de production, mais ce n'est pas la seule. On ne peut pas être aussi affirmatif ici que sur l'atelier du Larry. Mais on est sur une zone qui est très intéressante. Et là, je vais faire mon deuxième instant pub, puisque demain, vous allez avoir encore une communication qui parlera des prospections géophysiques que nous avons pu faire dans cette zone-là. Vous aurez un éclairage différent sur cette zone. Et toujours sur Toulon-sur-Allier, donc le troisième site mis en évidence sur D17, donc au niveau du site de la Forêt, où nous avons pu mettre en évidence des occupations qui se développent de part et d'autre de la route actuelle, hein, puisqu'on l'a vu dans les années 1980, des vestiges étaient présents sous la route, le site s'étend des deux côtés. Un second bâtiment a pu être mis en évidence côté... Alors ça, c'est celui qui a été fouillé en 1980, et on a pu mettre en évidence un second bâtiment un peu plus au nord, perpendiculaire au précédent, et une occupation qui s'étend encore côté sud, avec encore, vous voyez, énormément de production de poterie. Donc là, on est dans les éléments céramiques qu'on a pu mettre en évidence, on n'est pas sur des éléments liés à la production, mais plutôt des éléments liés à la vie quotidienne, hein, donc de la vaisselle utilisée quotidiennement dans les habitats. Et donc la fouille qui a été menée, qui s'est terminée au mois de juillet, dont vous voyez ici les tout premiers résultats, ont pu donc mettre en évidence deux bâtiments qui sont très intéressants, donc de part et d'autre de la RCEA, donc celui au nord dont je viens de vous parler, hein, qui est donc ici, que vous retrouvez ici, donc on est vraiment sur la suite de l'habitat. Et au sud, à cet endroit, on a un second petit édifice qui a livré, enfin, autour de cet édifice, plusieurs structures ont livré énormément de fragments de figurines, dont vous avez ici quelques exemples. Donc on retrouve ce qu'on retrouve habituellement dans les types de figurines, mais on retrouve également des moules et des moules signés. Donc ça, c'est intéressant, puisqu'on on touche vraiment l'humain, on a les noms des potiers qui ont sévi, si je puis dire, à l'époque antique, à Toulon.
Voilà, donc on avance un petit peu dans le temps et on a pu mettre en évidence sur le tracé deux autres occupations à caractère artisanal, mais plutôt de la période médiévale. Donc le premier, toujours à Toulon-sur-Allier, quelques centaines de mètres à l'est des 17, que Marion Le Gagneux a pu étudier. Alors là, on se situe aux alentours du 6e, 7e siècle, où plusieurs fosses de rejets ont permis de révéler des déchets liés à l'activité métallurgique. Donc on retrouve notamment des éléments de parois de four ou de foyer, des parois internes et externes arrondies et lisses qui peuvent être des éléments de tuyères, donc là aussi en lien avec le four, et puis beaucoup de scories qui attestent de l'activité de réduction du minerai de fer hein, qui est transformé, et donc la scorie est le déchet de ce qui ne peut plus être utilisé. Et donc ces fosses ont été datées grâce au C14, hein, donc vous voyez qu'on utilise différents types de méthodes. Hop, je me suis encore trompé. Donc ici vous voyez le résultat du C14 qui permet de dater ces fosses entre 432 et 587. La fouille vient de se terminer il y a quelques semaines, a été mise en œuvre par Christophe Dunikowski de l'INRAP et a pu confirmer ses premières interprétations, puisque dans la zone basse, plusieurs bâtiments en lien avec un atelier structuré ont été mis en évidence, notamment des foyers, des structures sur poteaux, des niveaux d'occupation, qui datent effectivement de la période du 5e, 6e siècle, donc là on est en pleine période mérovingienne. Et le deuxième site, qui se trouve un petit peu plus loin, sur la commune de Montbeny, a pu mettre le diagnostic de Jean-Baptiste Kowalski a pu mettre en évidence plusieurs probables bâtiments semi-excavés. Donc c'est des bâtiments qui sont légèrement enterrés, associés également avec beaucoup de scories, donc qui laissent supposer une activité métallurgique intense. Donc là, on est sur une occupation plus tardive, on est plutôt sur le 12e, 13e siècle. Éléments de la fouille également par Christophe Dunikowski qui confirme ces interprétations. On est plutôt là sur un habitat avec quelques traces de métallurgie, mais on n'a pas de réelle production métallurgique dense sur ce site. Alors en conclusion, le temps file et on aura dépassé le délai qu'on s'était donné, ce qu'on n'aura pas fait sur les tracés de la 79 pour les diagnostics. Pour conclure, et sans déflorer les conclusions des futures conférences, puisque vous aurez compris que vous serez régulièrement conviés à une présentation des résultats de ces travaux sur la 79, peut-être vous expliciter un petit peu ce que nous, au service régional de l'archéologie, on a pu faire de ces diagnostics, au-delà évidemment de la connaissance qui a pu être accumulée. Ces diagnostics, ce sont des outils de décision, vous l'aurez compris, pour permettre d'engager la conservation des sites, soit sous une forme physique, soit en les conservant réellement, soit effectivement par l'étude à travers des fouilles préventives. Et il m'a semblé intéressant de vous projeter deux cartes, et je m'arrêterai là, qui permettent de voir effectivement les suites qui ont été données à ces différents diagnostics sous les deux formes que j'évoquais, puisque souvent dans nos échanges avec les responsables d'opérations chez les opérateurs, on ne perçoit que les fouilles préventives qui, évidemment, donnent lieu à un redéploiement des équipes sur le terrain, mais on ne voit pas forcément toutes les prescriptions physiques qui sont données et qui permettent la conservation des sites pour qu'ils soient peut-être fouillés par d'autres générations d'archéologues dans le futur. Donc ces 61 diagnostics, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont permis de mettre en évidence 42 sites ou indices de sites. Sur ces 42 sites, 26, si je ne me trompe pas, ont fait l'objet de prescriptions de conservation. Alors, des prescriptions de conservation physique, il y en a eu 9 pour des sites avérés, auxquels s'ajoutent les 7 prescriptions qui ont permis d'éviter les diagnostics sur la partie est du tracé. Donc 9 des sites qui ont été présentés préalablement ont pu être conservés. C'est le cas du site proto-historique de Trongé sur la zone des 8.
C'est le cas des installations antiques sur le tracé de la bande transporteuse à Toulon-sur-Allier, c'est le cas du site antique de Montbeny sur D22, de la fosse à profil en Y du néolithique de Dompierre-sur-Bèbe. Donc voilà, ces sites ont pu être protégés grâce à des propositions de l'aménageur, et là on voit tout l'intérêt des concertations étroites qu'on a pu avoir au fil de cette opération pour essayer de trouver les uns et les autres des solutions techniques qui ne bloquent pas l'aménagement mais qui permettent de conserver les vestiges. Donc voilà la cartographie de ces prescriptions de conservation pérennes, et on voit qu'elle est complémentaire de la cartographie des fouilles, puisqu'il y a eu 17 fouilles préventives qui s'ajoutent aux 9 modifications de consistance de projet, qui ont concerné toute une variété de sites depuis la séquence paléolithique, géologique que je vous ai présentée tout à l'heure, jusqu'aux vestiges du Moyen-Âge qui ont été fouillés à Montbeny ou à Toulon-sur-Allier par exemple. Donc 17 fouilles préventives ont été prescrites, 15 ont été réalisées. On a vu que pour le site de Trongers, la fouille avait été remplacée par une prescription de conservation pérenne. Et une de ces fouilles reste encore à réaliser, c'est à l'emplacement de l'extension possible de la future aire de service de Toulon. Donc peut-être que dans quelques années, lorsque cette aire de service s'étendra, on réalisera la fouille des ateliers de potiers qu'a pu présenter Gabriel. Donc 15 opérations de fouilles préventives viennent de s'achever, les dernières la semaine dernière, et la place est maintenant un petit peu dans le secret des bases archéologiques et des laboratoires au temps de l'étude. Les archéologues ont maintenant un délai de 2 ans environ pour achever leurs études, pour remettre un rapport complet de l'opération au service régional de l'archéologie, qui a pour vocation de l'expertiser, de le faire expertiser par la commission territoriale de la recherche archéologique, et surtout de le conserver dans ses archives pour les étudiants, pour les chercheurs qui, dans les décennies qui viennent, souhaiteraient consulter cette documentation. Et puis l'aventure, elle ne se terminera pas là, parce que la remise du rapport, c'est une étape, mais évidemment l'étape suivante, c'est de restituer tout ça au plus grand nombre, à la fois aux chercheurs, sous la forme de publications. Et là, on a encore un travail très important à réaliser, au-delà des sites eux-mêmes qui ont été fouillés. On a évoqué plein de problématiques. Laurence a évoqué les différents habitats ruraux antiques, et il y a des comparaisons à faire d'un bout à l'autre du tracé, dans des terroirs qui sont très différents lorsque l'on est en Centre-Allier, dans la vallée de l'Allier, dans la Sologne bourbonnaise ou dans la vallée de la Loire. Donc il y aura sans doute des choses à aller chercher dans la forme des fermes et de l'habitat rural. Il y a aussi évidemment tout un travail, Gabriel l'a expliqué, on est sur des poupées russes sur certains sites ont été découverts au 19e siècle, fouillés en partie dans les années 1970-80 dans des contextes de sauvetage, puis fouillés par les archéologues en 2021. Il faudra évidemment faire la synthèse de tous ces résultats, mettre tout reconstituer l'ensemble du puzzle. Et puis, j'y tiens tout l'aspect géologique qu'on a pu évoquer, et notamment les travaux de Gérard Vernet et de Rodrigue Guillon, qui ont fait un travail exceptionnel sur la vallée de l'Allier, qui va permettre à terme de restituer toute l'histoire de la rivière depuis les périodes les plus anciennes, à travers ses évolutions, et on a vu les liens étroits qui étaient établis entre la rivière et les sites archéologiques. Le grand site médiéval de Toulon-sur-Allier était sans doute au bord de la rivière lorsqu'il était occupé. Maintenant, la rivière est à plus de 300 mètres actuellement. Et puis, on voulait évidemment terminer par un hommage à la quarantaine d'archéologues qui sont investis sur le terrain, puisque évidemment, Gabriel et Laurence ont été aussi sur le terrain, en plus de la coordination, mais nous, avec François et Julie, on était évidemment en arrière-garde, en second rideau, mais effectivement, c'est grâce à eux, c'est eux qui ont été exposés aux intempéries, c'est eux qui ont travaillé parfois dans des conditions difficiles, et c'est grâce à eux qu'on dispose de tous ces résultats. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très complet et ces richesses que vous avez découvertes et qui font partie maintenant du patrimoine du Bourbonnais.